tristesse. Je dis, Seigneur, prépare avec moi que la puissance s'attache à ta parole. Que tout ce qui était blocage de la vie de quelqu'un, obstacle à son élévation, que la puissance qui émane de ta parole puisse être chose au nom de Jésus-Christ. Toute intelligence et que nous comprenons ta parole. Merci Seigneur, au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que pensons à acclamer le roi des rois? Est-ce que pensons à acclamer le roi des rois? Alléluia. Est-ce que pensons à acclamer le roi des rois? Alors, on a dit à la merci, on a sauvé le roi des rois. Je veux que le roi des rois, il est tout le monde. Il faut l'acclamer. Amen. Amen. Voilà Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va continuer enseignement. Alléluia. On a, depuis la semaine dernière, entamé une série d'enseignements. Amen. On a entamé, depuis le dimanche dernier, une série d'enseignements qu'on appelait le cœur sur lequel c'est ouvert. Le cœur sur la possibilité. Le cœur sur la possibilité. Alléluia. Parce que la prospérité est pour la santé. Amen. Et la prospérité, la vie qui donne avance, c'est la prospérité. Alléluia. Et on parle de prospérité publique, de la prospérité financière. Amen. Et ça veut dire qu'on a abordé et qu'on va continuer dans cette série d'enseignements. Vous êtes certes à pouvoir écouter la parole de Dieu. Des notes, je t'ai seul pour pouvoir te connecter parce que tu entends la parole de Dieu et ça va affecter ta vie. Je dis à quelqu'un, tu vas changer ton adresse. On t'appelait avant chômeur, je déclare dans ta vie, tu n'as même pas travaillé, tu vas employer au nom de Jésus de Nazareth. Avant que tu cherches l'argent, on te met le bâtard. Mais maintenant, tu n'as pas le bâtard, tu vas se faire transformer au nom de Jésus-Christ. Tu voles, tu es un voleur. C'est pas la pauvreté d'un voleur. Toi, tu es un voleur et la
Les médecins sont de vrais pécheurs. Parce que tu as 100 000 personnes de maladie. Mais pourquoi tu vas la guérir? Elle est déchue. Tu comprends pas? Mais quand tu as 100 000 personnes de maladie, accepte la maladie, pourquoi tu vas payer des personnes à l'hôpital pour les sortir? Donc tu vas voir ta volonté de Dieu pour faire. Tu veux que tu sois malade. Et puis tu vas voir ta volonté de Dieu qui veut que tu sois malade dans le médicament. Et si Dieu veut que tu sois malade, mais je fais des problèmes. Parce que toutes les personnes que tu as rencontrées qui étaient malades, tu les as guéris. Les problèmes là, il n'y a pas une personne que tu as rencontrée qui était malade, qui n'a pas été guérie. Si elle n'a pas été guérie, c'est peut-être pas la foi. Amen. Voilà Dieu. Et si être pauvre c'est spirituel, alors je suis un problème. Vous ne marchez pas avec lui. Parce que des gens sont spirituellement très pauvres. Ils ont cette richesse pour de la pauvreté. Et puis Jésus-Christ a de l'argent pour donner aux pauvres. Pourquoi tu viens avec quelqu'un spirituel? Et donc ton église va vouloir que Dieu soit pauvre. Mais quand tu es un pauvre, alors que tu veux que tu sois pauvre, tu as un problème. Est-ce que vous pouvez saisir? Être pauvre ou riche, l'argent est spirituel. L'argent est neutre. L'argent représente qui tu es. Si tu es orgueilleux, ton argent va révéler ton orgueil. Et puis mes frères, ce sont pas les pauvres, les riches qui sont orgueilleux. Et je ne vois rien. Du moins, je suis très fier. C'est quoi la fierté? C'est synonyme de l'orgueil. Et la dernière, la fierté. Quelqu'un qui est pauvre ne peut pas plus sur lui. Il est orgueilleux. Frère, être pauvre ou riche n'est pas un problème. Si elle dit que c'est un problème, vraiment tu as abusé Salomon. Ou bien, moi je viens te voir, je dis mon ami, je veux recevoir la sagesse pour faire quoi? Elle dit ton père, tu veux me donner un problème de richesse. Il y a un problème dedans. Si elle dit que c'est un problème, pourquoi tu rends à Babiche? Pourquoi tu rends à Isaac? Elle dit que c'est un problème. Mais c'est le père de riche qui a un problème. C'est le cœur de la personne qui est révélée par son état. Il y a des gens qui sont pauvres qui ne veulent pas. Si tu es voleur, même quand tu as l'argent déjà, tu n'as pas vu des grands voleurs. Il a été fait des tout le monde devant. Tu n'as pas vu. Pas encore, tu vas savoir. Il est milliardaire. Il est ministre. Il est milliardaire. Si c'est la pauvre, peut-être que c'est quelqu'un qui est voleur. Il est ministre, il est milliardaire. Et puis il continue à. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a voulu? C'est un voleur! Est-ce que tu as le pouvoir? Amen! Donc, il n'y a pas de parler au diable là, sur la force de l'église. Alléluia! Et on va nous parler sur trois, en trois grandes parties. La première partie, c'est la mentalité de la force de l'église. La première partie, notre thème sera la mentalité de la force de l'église. La deuxième partie, c'est la création de la richesse. Et la troisième partie, c'est la gestion de la richesse. Pour prospère, il faut d'abord avoir la mentalité de la prospérité. Hein? Deuxièmement, être capable de produire la richesse. Et en fin de compte, être capable de gérer la richesse. Alléluia. La grande partie, l'ancien nom, c'est le nom. Regardez bien. Il y a des gens qui. À 7 millions par fois. Amen. Et puis, il y a 3 millions par fois. En tant que riche. Alléluia. Je suis sûr. Qui est riche? Très bien. Donc, lui, il y a 7 millions par fois. Toi, tu as 3 millions par fois. Il est riche, n'est-ce pas? Mais le gars, il y a 7 millions par fois. Il roule dans une heure. Il se faille. Car il a voulu nous faire une charge de 600 millions par fois. Il a une maison. Tout est climatisé au nombre de 600 000. À la fin du mois, il va être de 6 millions 600 000. Il reste combien? 600 000. Quand tu as pas de millions, 3 millions. Toi, tu as habité dans un prochain salon, tu as des autres places, tu dépenses, tu as des différentes dépenses dans le mois de 1 million. Il reste combien? 20 millions. En 10 mois, tu as combien? Tu as combien? 20 millions. Lui, il a combien? 5 millions. Quand tu es riche?
La mentalité, c'est quoi? Ta mentalité, elle est où?
de ta vie. Ta mentalité est le moule de ta vie. C'est pas une moule. Tu sais tout ça, c'est une maison, n'est-ce pas? On prend différents types de briques pour construire une maison. Et les briques, on peut appeler brique 10, et la brique 15, et la brique 13, et la brique 20 pleine, et les constats. Amen. Toutes ces briques sont issues du même mélange. On a pris du ciment, on a mis de l'eau, du sable, la même personne les a mélangées pour faire les briques. Amen. Elles sortent du même mélange, du même ciment, mais à la sortie, chacune est différemment forte. Pourquoi? Parce que chacune a une moule différente. Le moule de la mise de brique fait qu'elle sorte une 10. Le moule de la mise de brique du ciment fait qu'elle sorte la brique véritable. Ta vie est le résultat du moule de la brique de ta vie. Or, le moule qui façonne ta vie, c'est dans ta vie. C'est un coup de pauvreté. Maintenant, les jeunes les prières, tu sortiras au pays. C'est un coup de prospérité. Maintenant, les jeunes les prières, tu sortiras au prospérité. Tu mets un pauvre dans un lieu d'abondance. Il va avoir le lieu pauvre. Tu mets un riche, alléluia, le dessert. Il va mettre sur ce lieu-là. Une question de mentalité. On avait Israël. Dans le désert, ça fleurit. Ta mentalité est un moule qui façonne ta vie. Qui façonne ta vie. Fais attention à ta manière de penser, de raisonner, de l'agir. Parce que, en définitive, ta vie est issue de ta mentalité. Alléluia. Il y a le coup qui existe. Tu l'as à l'intérieur. Il sortira. Il s'est fort. Tu mets des plaies. Pourquoi? Je veux mes plaies pour construire ma maison et je vais être des plaies plus. Et des plaies pas plus des plaies plus. Demande à quel coup j'ai pris pour faire mes plaies. Si tu prends le coup des plaies plus, tu sortiras. Il sera des plaies plus. Alléluia. Quand tu comprends ce que tu as fait, tu vois les je prends de l'eau. Je vais mettre de l'eau dans un verre, c'est cylindrique. Je vais mettre de l'eau également dans un cube, pour le public, c'est le liquide. Mais il prend la forme du récipient où on le met. Lorsque tu prends de l'eau, que tu le mets dans un verre qui est cylindrique, pour une forme cylindrique, si tu le mets dans un récipient qui est cubique, pour une forme cubique, ta vie prend la forme dans laquelle tu la mets. Dans quel moule mettre ta vie? Dans quel moule? Dans le moule de l'échec ou dans le moule de la réussite? Ton moule détermine les résultats. Alléluia. Prends Romains 12, verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Amen. Donc ne te conforme pas au sein de prison. Et pas le goût de
péché. Mais quoi? Ça transforme. Par quoi? Le relevant de ton intelligence. Comment le mot transformer? Il faut poser le deux mots. Le fils trans et le mot forme. Oui, le fils trans veut dire quoi? Canal moyen. Amen. Transport. Je l'ai porté au travers de. Je l'ai transporté. Transporté. Trans, lui, au moyen de. À la transporter dans la voiture, n'est-ce pas? Je l'ai porté par le canal de la voiture. Au moyen de la voiture. Amen. Donc, transférer au moyen de. Par le canal de. Par le biais de. Donc, transformer. On est formé par le canal de. Par le moyen de. Au travers de la mentalité. Ta pierre ne transforme pas. Si tu pries, tu as une mentalité d'échec. Ta pierre va te faire des belles choses à bien. Je veux pas les anciens. Quand tu pries, dès qu'il doute, les deuxièmes. Tu as une mentalité de doute et tu pries, tu n'es pas exaucé. Toute ta mentalité te permet de te transporter. Je dis à quelqu'un, ta mentalité te transportera de la pauvreté, de la douleur de l'esprit de l'homme de Jésus-Christ. Je dis, tu vas donner une famille. Mais si c'est la famille que je veux te dire,
Les familles sont plus en fonction de ce qu'elles font sans. Vous voyez qu'une famille en fonction sans. Allez. Elle est possible. Quand vous avez une famille de l'homme, c'est une famille de roi. Les familles la vraie. Ils sont pas beaucoup. Au nom des milliers frères. Ah, mais des puissants des milliers. C'est pour regarder. C'est le même pour dire que tu à la famille de roi. Quand on a dit, bon, si les six ans, les murs, on peut te connaître. Il a donné le talent selon leur capacité.
Dieu te donne une richesse, pas après les prières, mais d'après tes capacités. Ce que tu reçois de Dieu est l'équivalent de tes capacités. Dieu te fait si tu es capable de gérer. Si tu as une capacité de million, que tu fais tout de suite, tu vas pleurer, il ne te donnera jamais. D'abord,
l'identité, et puis après, dit tiens. En 14, que
se passe. Tu as envoyé les enfants d'Israël, 12 personnes, aller visiter la terre promise. Tout ce qu'on dit que c'est un pays dangereux qui détruit ses habitants. On peut y aller et on va avoir la victoire. Amen. Je dis, parce que mon serviteur, Caleb, a été animé d'un autre esprit. Le mot esprit se remet également en mentalité. Perception. Mais parce que Caleb est animé d'une mentalité, il est entré dans le pays et il a eu des témoignages. Souvent dans la vie, on voit des événements. Mais en réalité, on peut voir des événements différemment. Une histoire que j'ai vue quelque part, il voit qu'il y avait trois aveux qui ont vu en plus cet aveu, ne voit pas, un éléphant. Donc chacun a touché une partie de l'éléphant. Et il dit non, mais l'éléphant, il est large, il est éventail. Il a touché les oreilles. L'autre, non, comme ici. L'éléphant, il est que le gros, il est trop tard. Il a touché le pied. L'autre, il ne veut que vous ne voyez rien en moi. C'est un aveu. Il est flexible comme le corps. Il a touché la queue. En dehors de la raison. Personne. Ils ont tous besoin de personne dans la vie. Dans la vie, quand les gens se produisent, tu ne vois pas les démons tels qu'ils sont, mais tu vois les démons tels que tu es. Amen. Ils sont allés dans le pays. Ils ne sont pas fait, on ne voit pas les yeux physiques, frère. Les yeux physiques le gardent. Mais les yeux spirituels, la mentalité interprète. Amen. Donc ta perception, ta manière de voir la vie, est totalement de ta mentalité. C'est comme s'il y a un événement et il y a un calendrier de rouge. Il va tout voir en rouge. Il y a un calendrier de bleu. Tout ce qui va vous être là, des pépites, on va dans l'église, tout la vie en bleu. Il ne va pas mal. Il n'est pas mal. Le prisme, sa mentalité est bleu. Mais quand tu viens en vert, tu sors bleu. Tu viens en rouge, tu sors bleu. Donc si une personne a une mentalité de pauvreté, même qu'il y ait une opportunité, il va s'en sortir. Dis mon frère, parce qu'il y a une affaire, il va d'abord avoir un problème. Si j'ai besoin de mon argent, est-ce qu'il est prêt? Même pas du moins, c'est légal. Il voit comme un pauvre. La vie que tu as est interprétée d'après ta manière de voir. Par ta perception, influence tes choix. Par conséquent, ta mentalité détermine ta vie. Frère, c'est pas ce qui t'est arrivé qui est un problème. C'est comment tu réagis devant ce qui t'est arrivé. À cause de ça, ils sont prostitués. Et à cause de ça, ils sont milliardaires. Le même événement, des résultats différents. Pourquoi? Parce que les personnes voient la vie. Regardez bien. La majorité est riche. C'est ici, mais pauvre. Et donc, ils sont pauvres, et puis ils vous disent. Mais qu'est-ce que ça a monté? La pauvreté? Non. C'est la pauvreté. On a monté tous les riches. Sont des pauvres, ils sont jamais riches. Mais ce n'est pas la pauvreté qui t'a mis à continuer. Ce n'est pas parce que ton papa t'a mis à l'école que tu n'as pas réussi. Pas parce que les soldats t'ont dit que tu n'as pas réussi. C'est quand tu as réagi devant les attaques. Quand tu as réagi devant la situation. Ruth, la mort de son mari. De son beau-père, de son don, amené Ruth à entrer dans sa destinée. Ce problème-là, on dit l'opportunité pour elle de réussir. La destinée future de Jéricho a propulsé la prophétie Rahab de sa destinée. Rahab était condamnée à la mort, comme tout le monde. Mais sa mentalité a changé la condamnation de mort à une condamnation.
Alléluia. C'est pas possible. Ta vie est influencée par ta vie. Alors, pas de sorcier. Rentre la gagne. Tu as prospéré. Oui. Si le Seigneur poursuit, quand tu as tu coupes à Jésus. Toi, tu peux me dire quoi? C'était pour les juifs.
déjà. Il est petit, il a une mentalité de richesse. Il sait que la terre a trouvé son père. Et toi, tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Tu es cohérité avec Christ de Nazareth. Donc, quand Jésus est mort, comment tu te vois? Quand on te dit 10 millions, dis tiens, c'est beaucoup d'argent. Dis-moi, c'est une réunion. Pas dans le pot. C'est une réunion de faire le pot. C'est pas l'argent qui est mis. C'est rien. Mais les chrétiens, il est 10 millions. Mais on dit c'est de l'argent. C'est rien 10 millions. Allez, où est-ce que c'est l'argent? Thank you.
Amen. La quatrième chose, que tu vas voir, que même tes capacités de la vie sont influencées par ta vitalité. Souvent, nous pensons que pour réussir, et c'est vrai, il faut des capacités, c'est important. Mais les capacités ne suffisent pas pour réussir dans la vie. Les capacités, c'est influencé par ta vitalité. Et peut-être que tu vas être solo dans la vie et qui te répond, qui échoue. Parce que la mentalité, elle peut être mentalité d'excellence et de réussite. Dans les pays africains, le souffle des riches, ils ont tout, n'est-ce pas? Mais qui sont les plus pauvres, les pays africains? Ils ont la capacité, mais ils sont pauvres. Pourquoi? Leur mentalité est pauvre. Tu peux avoir une capacité. Mais cette capacité peut être bloquée, limitée par ta mentalité. Tu peux être très intelligent. Souvent il arrive, on voit des amis. Tu peux être très intelligent. Donc il y a peine dans la vie, tu n'arrives pas loin. C'est la mentalité. Alléluia. Notre capacité peut être poussée, améliorée, boostée par notre mentalité. Quand elle peut être bloquée, emprisonnée par notre mentalité. La France, on dit sauver France-Afrique. Ça fait pas mal. Un pays ou bien un continent. Ils sont plus que les Français. Mais les Français ont une mentalité de prospérité. Alors un peuple, le sport, vous bien expliquer. Soyez la Coupe du Monde. Quand tu vois les pays africains, on n'a pas du poids, le bas du pied. Mais il y a tous les grands joueurs. Si vous partez, ils sont très forts. Mais quand ils vont rencontrer la Hongrie, la Suède, regardez ça dans les commentaires. Quand on fait un, on dit qu'on a un million de chèques, la Suède. Quand on fait un, il y a un million de chèques. Quand on fait un, ils sont forts. Et quand on perd, on dit qu'on n'a pas de priorité. C'est la pauvreté. Parce que le papier, il y a plus fort qu'eux. Mais quand ils vont se faire vers eux, ils veulent pour gagner. Toi, tu ne veux pas perdre. C'est plus ce papier, c'est l'amitié. Un des meilleurs attaqués en son temps. Et un des meilleurs milieux. À tous les postes du grand soleil, ils ont peur. Mais nous, on va dire non à la base de vérité. C'est pour ça. Pour vérité. Pour vérité. La base de vérité. Donc on est allé pour essayer. C'est la partie qui compte. Ah bon? Oh! Tu peux les valeurs intrinsèques des joueurs. Ils sont extraordinaires. Mais ces capacités extraordinaires sont limitées par la mentalité de pauvreté. Et les gens se diraient, moi la pauvreté, on t'a. On n'a pas de vérité. C'est bon, mais souvent, ce qui se passe. Vous dominez, les gars dominent, vous êtes bien fait, dominent, et bien la fin, elle peut bien payer zéro. Je vais vous dire, vous partez dans l'espoir de ne pas vous casser. Ah non, c'est pas ce que je suis parlé. Alléluia. C'est merci dans la vie. Les capacités sont influencées par ta mentalité. C'est pas une question. Qui est l'animal qu'on appelle le roi des animaux? C'est qui? C'est le lion. Et ça veut dire que les gens frappent les animaux. Quel est le plus fort sur la terre? L'éléphant. Mais pas physiquement. Il va frapper le lion. Mais il y a une mentalité de roi. Il y a une reine. Et là, tu comprends. Le roi il a cette force physique. Mais une force mentale. Quand il voit l'éléphant, il dit aussi vieux pour le décès du soir.
dans ta situation. Quand tu les vois, il y a des gens qui viennent te filer ou pas. Si je garde, j'aime que je suis fort. Tu viens te filer, attention. Si je le fais, c'est pas bon. Tes capacités, c'est financé par ta mentalité. Amen. 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 Est-ce que je suis scouté? Je prends encore les hommes pour expliquer. Tu vas à l'école, tu peux pas être mal, tu maîtrises la leçon. Tu allais devant les éducateurs. Ils te demandent comment tu t'appelles et puis tu dis ton nom. Tu fais à moi. Elle te connaît ton nom. Elle te connaît ton nom. Tu as la capacité de connaître ton nom. Comment là tu as perdu ton nom? Ça va t'arriver ta peur. La mère voulait à tout oublier. Tu t'appelles, c'est-à-dire que. Ah bon? C'est ce qui est en fait. Ce n'est pas les capacités, c'est la mentalité. Les grands ne sont pas grands à cause de ce qu'ils ont capacité d'abord. Et à cause de ce qu'ils ont compris. Des questions de culture, de même de voir et de fonctionner. Si tu veux que les pauvres, peu importe les opportunités qui seront montrées. Si tu veux que les perdants, peu importe les opportunités qui seront perdants. Les grandes églises, ne sont pas les grandes églises parce qu'ils ont des capacités. Les plus critiques de ces églises, ça les plus critiques de ces églises. Est-ce qu'il y a une différence des seuls? C'est leur mentalité. Réfléchis comme des grands. Fonctionne comme des grands et tu seras grand. Les grands ne demandent pas. Ils peuvent te dire être moi. Mais quand ils te demandent, après ça, ils te demandent. Comment les églises qui disent qu'on va leur faire des dons à des orphelins? À des gens qui n'ont pas la capacité d'habiter la maison. On va les donner une maison pour habiter, on va les accueillir.